Shalom, shalom, paix et joie du Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous souhaite un très bon matin par la grâce de Dieu, espérant que vous êtes bien réveillés. Et nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Emmanuel, nous t'attendons. Jésus, en ce temps de l'Avent, nous nous souvenons de ce temps d'attente qu'a vécu l'humanité tout entière, qu'a vécu tout ce qui était sous le poids, l'oppression de l'ennemi. Et nous sommes dans la joie de cette attente de te recevoir encore une fois, toujours dans nos cœurs, dans nos vies, parce que c'est toi le véritable sauveur de l'humanité. Alors nous voulons saluer en ce matin ta mère, la bénie entre toutes les femmes, celle qui a accueilli le plan de Dieu et qui est allée jusqu'au bout de sa mission. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce qu'elle a répondu à l'ange lorsque l'ange Gabriel est venu lui décrire le plan de Dieu pour elle. Elle a répondu oui sans connaître ce qui l'attendait véritablement. Alors comme Marie, nous aussi à notre tour, disons ensemble, alléluia, que nous sommes les serviteurs, nous sommes les servantes de Dieu et nous voulons faire sa volonté en tout temps. Ta parole. Oh, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Je suis pour enfanter un fils nommé Jésus. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il sera grand, fils du Très-Haut. Je suis qu'il me soit fait selon ta parole. L'Esprit Saint viendra sur toi. Tu seras servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que
que nous pouvons chanter encore une fois. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vierge Marie, intercède pour nous, afin que nous puissions dire à chaque fois oui à la volonté de Dieu et à ses recommandations. Car c'est en mettant en pratique ces paroles que nous allons vivre le bonheur sur terre, que nous serons comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont les feuillages ne se dessèchent jamais et qui porte du fruit à chaque saison. Alors Seigneur, en cette fin d'année, nous te confions nos vies, nous te confions nos familles, nous te confions cette journée et nous disons merci Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus vous précède dans tous vos chemins, dans vos projets, dans tout ce que vous entreprendrez ce matin. Merci Seigneur Esprit Saint, Père de grâce, bénis-nous encore une fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.